Lindbergh devant le filet, là, tentait là, de causer de l'obstruction, demande que Boucher. Le long de la rampe s'est poussé plus loin par eux. Derrière le filet vers Lucas Savages, et là le combat éclate. Riley McKay là, qui vient de laisser tomber les mitaines avec Hurd. McKay suivait Hurd depuis un bon moment déjà en conversation avec lui. Tentait de le forcer à jeter les gants. Hurd, donc, t'en parlais en début de reportage. Et McKay, là, qui laisse tomber les gants. Ils sont chassés, donc, pour 5 minutes. Ça survient à 2:31 de la troisième période. On va voir comment tout ça a commencé. Mais enfin, on va voir d'abord Greg qui a bloqué le tir. C'est un tir puissant là, de Normander sur réception et directement à la main droite. A été en douleur là, jusqu'au fond des siens. Et là, on va voir, regardez bien McKay, puis on va voir Hurd passer, il est en conversation avec lui, le suit, tente de le convaincre. Ouais. Et finalement, Mitchell Hurd, lui, qui aura 31 ans le 12 mars prochain, a décidé de jeter les gants et d'aller danser. On va reprendre, donc, avec des formations complètes, les deux joueurs qui sont chassés pour 5 minutes. Encore en conversation. Il y a eu une longue conversation entre les deux joueurs un peu plus tôt dans le match.